أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الدرس التتمة ديال لي زاكتيفيتي ديفالياسيون. اليوم عندنا لاباج 90 اكتيفيتي ديفالياسيون لي كونجيغيزون. إذن كما كتشوفوا غادي نمشيو على بركة الله، وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، ولا كنتو أول مرة غتشاهدوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمة إن شاء الله. Je m'évalue. Complète les phrases avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Complète les phrases avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, première phrase. Tu, on a su le verbe savoir, répondre à toutes les questions. Tu as su tu as su répondre à toutes les questions. Yani annak arfti tjawab ala jami' al-as'ila. Vous avez bien réfléchi. Vous avez bien réfléchi? C'est une phrase interrogative. Le verbe avoir au deuxième groupe du pluriel. Hier, les filles sont revenues du moussum. Hier, les filles sont revenues du moussum. Sont, c'est le verbe, l'auxiliaire être. Maintenant, le participe passé, il s'accorde avec l'auxiliaire être. Il s'accorde avec le sujet. Mais qui sera de l'auxiliaire être, c'est le cas où un accordé par le sujet. Non, féminin pluriel, un es féminin pluriel. L'axe dit le verbe avoir. J'ai fourni des efforts. Question suivante, la phrase suivante. Et j'ai fourni des efforts et j'ai réussi. Les invités sont partis depuis une heure. Les invités sont partis depuis une heure. Non, le verbe auxiliaire être, le verbe avoir fait s. Les invités, le pluriel, masculin pluriel. Sur la question suivante, souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé. Souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé. L'auxiliaire, on encadre le participe passé. La phrase A. Un bruit a retenti dans la salle. Un bruit, l'auxiliaire ou l'auxiliaire avoir, A. Retenti, c'est le participe passé. Il y a le verbe retentir. Elles sont allées voir le spectacle. Le participe passé ou le verbe être. L'auxiliaire être. Le participe passé, c'est le verbe aller. Tu as sali toute ta chemise. Yani, ou si la chemise dit le verbe avoir. Sali. Le verbe salir la chemise. Nous avons entendu l'arrivée du chanteur. Nous avons le verbe avoir. L'auxiliaire avoir au pluriel ou le verbe attendre, le participe passé du verbe attendre. Sur la question suivante, conjugue les verbes au passé composé. Le verbe finir, j'ai fini, tu as fini, il a fini. Comme que tu vois là, on a les terminaisons, on a i. Ou l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Nous avons dit, le verbe dire, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit. Là, tu vois, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc il n'est pas accordé. Partir. Par contre, le verbe partir, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, elle est partie.
Donc, là, comme tu vois, il y a E. C'est féminin, donc il y a E. Elles sont parties. Il y a E, le féminin, plus S, le pluriel. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, il y a les verbes entre parenthèses, il y a le passé composé. Les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Il y a donc la ta'in, Oslo, les khatnihaï. Les verbes franchir, là, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Tu as vu tout le spectacle. Tu as vu tout le spectacle. Le verbe voir, là, le passé composé, tu as vu. Tu as pris, là, le verbe prendre. Tu as pris des photos du nouveau-né. Nous avons écrit, le verbe écrire, nous avons écrit toutes les cartes d'invitation. Nous avons écrit toutes les cartes d'invitation. Donc, maintenant, troisième question, Lena. Écris le participe passé des verbes suivants. Adna, anktabumna, anana, anktabou le participe passé d'y aller le verbe. Par exemple, anna, finir, c'est le participe passé d'y aller ou a fini. Fini. Courir, couru. Couru. Adna, le verbe mettre, c'est mi. Ouvrir, c'est ouvert. Ouvert. Remplir, rempli. Blanchir, blanchi. Voilà, c'est ce que tu vois là. Blanchi. Maintenant, le verbe dire. Dit. Et donc, les participes passés, les verbes. Alors, je vais vous dire. Et à la prochaine dans le cours, Inch'Allah.